to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh-oh, oh-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh, I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en vlog, c'est vrai qu'on a filmé pour Noël mais on n'avait pas monté la vidéo. On s'est dit qu'on allait garder les images pour nous durant les fêtes finalement, puisque on était tellement concentrés sur notre petite famille, à faire nos petites activités, que bah, j'ai oublié forcément de filmer plein de petites parties, donc du coup j'en ai pas fait de vidéo. Mais en tout cas, on vous souhaite à tous une très bonne année 2021, en espérant que ce soit meilleur que l'année précédente, en espérant vraiment que l'épisode Covid passe rapidement. Vraiment on croise les doigts, ça commence à être un peu déprimant cette histoire. Mais voilà, on va essayer d'être positif et de se dire que cette année sera vraiment meilleure. En tout cas pour nous on a une excellente nouvelle. Vous avez sûrement vu la nouvelle passer sur les réseaux sociaux et sur la précédente vidéo. Voilà, donc on est vraiment super content de se lancer dans cette nouvelle aventure. Et puis d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, il y a une FAQ qui est postée sur la chaîne secondaire sur Positive avec une FAQ. Et cette semaine sort également le bilan du premier trimestre de grossesse. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a prévu de faire quoi, Elias? On va où? On va voir la neige. On va voir la neige. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est la journée où Elias n'a pas l'école. Et dans le sud, il a neigé. Bon, pas à La Ciotat. Où il fait très bon encore en ce moment, des fois on a du 11 degrés l'après-midi, mais à quelques kilomètres d'ici il y a de la neige, donc on va aller s'amuser un petit peu. On s'est équipé, on a pris une luge en espérant qu'il y en a encore et qu'on puisse en profiter. Elias était trop impatient, il avait trop hâte. D'ailleurs on devait aller à la montagne cet hiver, on voulait même passer Noël en Laponie, enfin bref on avait plein de projets en tête, ce qui ne s'est pas fait avec le Covid, mais voilà, en tout cas on voulait aller voir un petit peu la montagne, la neige. Et ça tombe bien, ça va, on va passer un bon petit moment en famille, ça va être chouette. Bon, finalement on vous retrouve dans une station de ski qui est à 2h30 environ d'ici, parce qu'il n'y avait plus de neige là, on voulait aller à 40 minutes. Du coup Elias était trop déçu et ça nous a fait mal au cœur. On s'est dit bon c'est pas grave, on va faire 2 heures de route et on va lui faire plaisir. Et du coup ça y est, on est arrivé, regardez. C'est trop beau, ça y est, trop plaisir de voir la neige. Et voilà, Elias il se fait traîner en luge. Elias, ça va? C'est cool, tu penses quoi? C'est cool, Elias. T'es trop content? Ah, tu nous jettes de la neige? Ah, coquin, oui. Tu m'as eu? Oui. Alors Elias, t'es prêt? Tu vas glisser super vite? T'es prêt? Eh, attention, t'es parti? T'as pas peur? T'as pas peur? C'est une sacrée descente. Allez, go! Oh oh. T'as vu Alors, cette descente à la luge, Elias, c'était comment? C'était trop cool. T'as eu de la neige sur toi ou pas? T'as eu plein de neige? Ouais, ils ont fait glisser. C'était trop chouette, on avait de la luge, on a fait des batailles de boules de neige, franchement c'est génial. Et dire que c'est qu'à 2h30 de La Ciotat, franchement en fait on a la mer et la montagne pas loin. C'est vraiment absolument génial, la région est top pour le coup là-dessus, il n'y a rien à dire.
On est trop content d'avoir déménagé, d'avoir tout à proximité. Romain n'avait jamais vu la montagne en plus, donc du coup c'est une première pour lui. Il a jamais skié, c'est ce qu'on voudrait faire très prochainement, aller au ski. C'était un de nos rêves d'emmener Eden justement. On avait une poussette et tout pour mettre les skis dessus, tout ça. Et voilà, du coup on a hâte de pouvoir réaliser ça quand il y aura plus Covid, tout ça. Pour avec Elias, il est fou avec la neige. Il est tellement heureux de voir la neige. C'est super sympa. Bon, moi je fais attention de pas tomber avec bébé. C'est vrai que du coup on a monté des petits trucs et tout. Je vais faire attention quand même parce que début de grossesse, j'ai eu un décollement de placenta, donc je fais super attention de pas trop me fatiguer non plus. Mais voilà. En tout cas, on passe une superbe après-midi. On l'entend au rire d'Elias qui court de partout. On vient de rentrer à la maison. C'était comment, Elias, aujourd'hui? Cool, c'est moi et plus quand. Oui, mais c'était comment aujourd'hui avec la neige? Cool. T'as bien aimé? Oui. Oui, il saute partout, il est trop content. Il a passé une trop bonne journée. Là, on a commandé des burgers, donc on attend notre livraison de burgers. Elias, il va aller prendre un bon bain chaud. On va aller se réchauffer. On avait les pieds trempés, du coup, on a eu froid. Oui. La prochaine fois, on prendra des chaussettes de rechange. Hein? Oui. Oui. Et puis, je pense que je vais lui acheter des petites, petits pantalons moi, de ski. Il fait quatre fois. T'avais très froid? Oui. Eh ben oui, c'est normal, là, c'est à la neige. Bon, je vous reprends le lendemain. Hier, j'étais très fatiguée, en fait, après avoir fait du trajet comme ça en voiture, en plus d'avoir un peu marché dans la neige. J'avais un peu de mal au ventre, donc je me suis pris un bain chaud pour me décontracter. Du coup j'étais super fatiguée. On se fatigue beaucoup plus vite enceinte et voilà, pour le coup quand on a des belles journées comme ça remplies où on fait un peu plus d'activité physique, c'est vrai que le soir je cale plus rapidement et je m'endors vraiment plus rapidement aussi. Donc un bon bain et ça allait mieux. Le bain chaud c'est le meilleur truc au monde avec, avec une bonne bombe de bain et franchement c'est chouette. En tout cas, hier c'était la première fois à la montagne pour les garçons en tout cas et c'était vraiment génial, on a passé un super moment, ça nous donne envie du coup d'y retourner assez rapidement. J'espère qu'on sera pas confinés parce qu'on a prévu d'y retourner la semaine prochaine, un peu plus tôt cette fois pour beaucoup plus profiter de la journée parce qu'avec le couvre-feu forcément on n'a pas pu rester autant de temps qu'on l'aurait voulu, mais c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que la route ça fatigue énormément et que j'avais mal au ventre, donc d'un côté voilà, je pouvais pas trop marcher non plus et du coup c'était déjà bien de faire découvrir ça à Elias. Donc là aujourd'hui j'ai contacté plusieurs maisons que j'ai trouvées à au moins une heure de la Ciotat en tout cas. J'ai trouvé une super maison qui est neuve, hyper moderne, vraiment elle ressemble un petit peu à la maison qu'on a pu avoir dans le nord. Même un peu plus grande parce que là il y a 5 chambres, ce qui nous permettrait du coup d'avoir chacun sa chambre, Romain sa pièce de gaming et même une salle de jeu pour les enfants, ça serait trop sympa. Donc j'espère qu'on... voilà, on va déjà aller visiter le village, visiter la maison pour voir si ça nous plaît, voir un petit peu les alentours. C'est vrai que du coup on connaît pas trop la région, c'est pas facile de s'aventurer et de prendre des décisions comme ça. On est vraiment très attaché à la Ciotat et c'est vrai que du coup de devoir s'excentrer un petit peu en termes de tarifs, de loyers. Et également, désolée du coup, j'ai des messages pour le travail en termes de tarifs, de loyers et de surface aussi. Parce que en fait, toutes les maisons qu'il y a ici aux alentours, proches de la mer, les surfaces sont très petites. Les loyers sont souvent très élevés et même si on en aurait les moyens, en fait, on trouve que c'est du gaspillage et que ça vaut pas vraiment le coup. D'autant plus que on a de la famille qui habite par ici et que si on veut venir de temps en temps pour les voir, tout ça, il y aurait vraiment pas de soucis. Donc voilà, je pense que de s'excentrer un petit peu, et pour nous c'était essentiel en fait depuis le confinement, on a vraiment ce besoin de retrouver un extérieur. Là il y a un beau jardin, de quoi remettre déjà rien que pour notre chienne qui a vraiment besoin d'avoir un extérieur beaucoup plus grand et pouvoir mettre une balançoire pour les enfants, pour Elias faire du vélo, il y a une belle petite terrasse, enfin voilà. J'espère que du coup ça ira et qu'on pourra avoir cette maison si ça nous plaît. En fait je suis pas sûre pour le moment puisqu'on l'a pas encore vue en vrai, puis on sait même, en final on connaît vraiment pas le village dans lequel il se trouve, donc voilà, c'est toute une découverte et une décision à prendre également.
Et sinon, lundi également, j'avais autre chose à vous dire, c'est que j'ai une nouvelle échographie qui sera l'échographie du 4e mois. Donc c'est une échographie de contrôle, tout simplement, il y a une échographie tous les mois. Et là, ça tombe vraiment à la toute fin de mon 4e mois, la dernière semaine. Donc voilà, vraiment la toute fin du 4e mois, je rentrerai dans le 5e mois vraiment le lundi qui suit. Et du coup, trop hâte de voir, parce que nous, on a décidé de pas connaître le sexe maintenant, mais de le découvrir au niveau des échographies, sur les images, voir un petit peu comment se situe le bourgeon, pour essayer de deviner. On trouvait ça tellement beau, en fait, de pouvoir le faire, de pouvoir le deviner nous-mêmes. On a vécu une expérience avec Elias un peu moins cool et tout, donc là, pour le coup, on a trop hâte de voir aux échographies, puis de revoir bébé aussi lundi. C'est voilà, du coup, je suis trop contente d'avoir une écho lundi, j'ai super hâte de revoir bébé. Et je commence à sentir bouger depuis le 27 décembre, ça commence un petit peu à gigoter. Bon, c'est très léger, c'est vrai qu'avant 20 semaines, il paraît que c'est que du bonus quand on sent bébé bouger. Bon, je pense qu'aussi au bout de 3 grossesses, c'est normal de sentir plus tôt. Mais voilà, du coup, depuis le 27 décembre, je sens un petit peu comme si c'est en dessous du nombril. Donc je sens un petit peu comme une petite pomme qui bouge sur la paroi. C'est rigolo, Romain elle a pas encore senti bouger parce que du coup c'est vrai que moi je sens en fait en touchant et en le ressentant à l'intérieur en fait. Mais voilà, c'est vraiment spécial et ça rassure vraiment de sentir bébé bouger. Je trouve que c'est... Voilà, je le sens pas tous les jours, il y a même parfois quand je le sens pas, du coup ça m'angoisse. Bien que c'est pas quelque chose... c'est que du bonus finalement avant 20 semaines. Mais voilà, ça m'angoisse du coup de pas sentir, mais... Voilà, c'est hyper rassurant, je trouve, de sentir bouger et je trouve ça chouette. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les divers réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.